J'ai mon frère qui tourne en 50 mégasecondes. Ça sert à rien, franchement. Je vous le dis, ça sert à rien. Yo, bonjour à tous, c'est Seb. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une grande question que l'humanité tout entière se pose. Téléphone. Avec ou sans forfait? C'est la grosse question du siècle. Putain de tracteur de tarasse. Je vais te balancer une brique dans la figure, péter ton pare-brise et ta machine qui fait du bruit. C'est donc la grande question de ce dernier siècle, hein, depuis que les téléphones portables existent. Est-ce qu'on achète un téléphone portable tout seul ou est-ce qu'on prend un forfait avec? Alors, je vous le dis tout de suite, hein, c'est un choix purement personnel. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre téléphone. Est-ce que vous êtes un professionnel qui a besoin d'avoir un excellent téléphone et de pouvoir le changer assez régulièrement? Est-ce que vous êtes un particulier qui s'en fout, qui n'en a que pour son argent? Les avantages d'avoir un téléphone avec un forfait, c'est que quand vous voulez votre téléphone, vous allez payer moins cher là tout de suite. Au lieu de payer 600€ pour avoir votre Samsung Galaxy X++, je ne sais quelle référence, et ben au lieu de payer 600, vous payerez 300€. C'est une caution, c'est pour dire à l'opérateur, voilà, je m'engage avec ce téléphone là. Parce qu'après, sur le prix de votre forfait, il y a une caution tous les mois pour rembourser le téléphone. C'est logique, hein, venez pas gueuler, c'est purement de la logique. Le but de l'opérateur étant de rentabiliser la boutique. Donc avec un forfait, vous pouvez changer de téléphone tous les ans sans payer une fortune. Et ça, c'est clairement trop bien. Parce que du coup, vous pouvez avoir le dernier Samsung Galaxy S7 Edge qui pète le feu sa mère pour rien. Enfin, rien. Moitié prix, on va dire, que ce que vous payez en boutique traditionnelle. De ce point de vue-là, c'est bien. C'est vrai qu'après, les forfaits peuvent être chers. Surtout les forfaits avec les iPhones. C'est souvent des forfaits à 30, 40, 50€, 60€ par mois. Et ça peut monter plus, hein, ils s'en fichent. Tant que vous leur donnez un petit peu de beurre et des épinards. Sans forfait maintenant, eh bien l'avantage, c'est que vous pouvez acheter n'importe quel téléphone sur le marché, dans n'importe quelle boutique. Et profiter d'une garantie constructeur et aussi d'une garantie. Par exemple, de Auchan, ils vous proposent une garantie 2 ans, une extension de garantie, donc votre téléphone est garanti 2 ans de plus. C'est réellement pour ça que c'est bien, parce que sans forfait, vous achetez n'importe quel téléphone, mais en plus, vous allez chez n'importe quel opérateur, en passant de Free à Bouygues Telecom à n'importe qui, vous vous en foutez. Donc, de ce point de vue-là, ce sera plus pour faire des économies, parce que du coup, vous achetez un téléphone qui est pas cher, avec un forfait qui coûte pas cher, mais qui a un bon rapport service-prix, donc vous pouvez optimiser un petit peu votre porte-monnaie, vous offrir peut-être un meilleur forfait qu'avec un iPhone chez Orange par exemple. Après, oui, avant qu'on se mette à dos tout le monde, j'ai jamais dit qu'Orange c'était de la merde. Donc voilà, ça dépend purement de ce que vous voulez faire, hein. Soit vous voulez faire des économies tout en ayant quelque chose d'assez bien, soit vous voulez réellement le dernier téléphone, dernier cri, motherfucker, taras qui pète le feu, le cul. Contribuez à ce titre s'il vous plaît, vous allez voir, c'est trop bien. Donc voilà, concrètement, c'est tout. C'est purement un choix personnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont en dessous de cette vidéo. C'était Seb, je vous souhaite de passer une bonne journée et à la prochaine. Les chiottes, c'est par là. Je vais aux chiottes parce que j'ai envie de chier. Alors, je vais vous montrer rapidement le tracteur qui fait du bruit. Déjà, écoutez le bruit que ça fait. Voilà. Et donc je vais tenter de vous montrer le magnifique tracteur qui est, voilà, il y a un chat qui se barre. Ça fait juste un barouf de pas possible. Et le voici. Donc c'est ce magnifique tracteur de merde qui fait un putain de bruit de pas possible. Voilà, voilà. Et il est en train de couper ces saloperies de chardon qui volent en plein été. Voilà, donc je vous embrasse. Saloperie de tracteur de mes fesses. Putain de merde.